Elle est Claire, encore? Toujours là. Basile. Oui, alors, notre objectif c'est de toucher les étudiants français. Et bon, et aussi les étudiants, il y a énormément d'étudiants qui viennent de l'étranger, de l'international. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre pour parler aux étudiants? D'abord, dans nos groupes, il y a des étudiants qui sont déjà chrétiens et qui ont des amis qui ne sont pas chrétiens. Avec ces étudiants, on leur dit, mais comment est-ce que tu as des amis? Comment est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut faire quelque chose qui va intéresser tes amis? Est-ce qu'on peut organiser une soirée spéciale où on va présenter l'évangile? Et en fait, c'est vrai qu'en France, c'est plutôt difficile de parler de la foi parce que les gens ne sont pas très ouverts, ils ne croient pas en Dieu et on ne peut pas juste aller comme ça leur parler. Et c'est parfois difficile et c'est pour ça qu'on mise vraiment beaucoup sur le fait d'avoir des amis qui ne sont pas chrétiens et de vraiment être des témoins là où on est, d'aller rencontrer les gens, de passer du temps avec eux, de vraiment être des témoins sur le campus là où on est. Et aussi, on développe des outils qui permettent aux étudiants d'avoir un moyen un peu détourné, enfin pas de parler de Dieu directement, mais vraiment de réfléchir à la vie, au sens de la vie, et avoir des discussions plus, parfois un peu plus intellectuelles au début, mais qui mènent à partager vraiment notre cœur, quoi. Donc avec des images, avec des vidéos. Et notre objectif, c'est de rester vraiment pertinent pour les étudiants. On ne veut pas juste annoncer le message, mais on veut les écouter, savoir quelles sont leurs questions. Est-ce qu'ils ont des questions de la vie? Est-ce qu'ils ont de la souffrance? Est-ce qu'ils ont des questions sur Dieu qui sont très ciblées? Quelles sont les questions et comment nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on peut répondre? Donc on va les voir et on leur dit, voilà, je voudrais savoir ton intérêt pour les choses spirituelles. Et s'ils nous disent, oui, bah moi ça, j'ai un peu un intérêt, c'est vrai que j'ai cherché Dieu, alors on leur dit, bah donne-moi tes coordonnées. Et ensuite on va les voir et on discute avec eux, on leur montre un film qui va les inspirer un questionnement, on va leur montrer des photos pour qu'ils puissent dire un peu, pour qu'on puisse partager notre point de vue. Et voilà, notre objectif c'est d'influencer, d'être des influenceurs des étudiants pour qu'un jour chaque étudiant de France connaisse au moins une personne qui connaisse vraiment Jésus. Fantastique.